Je parle. Allô? Bon. Ouais, mais c'est bon, ça va passer. C'est parce que monsieur le. En fait, dans Zoom, quand quelqu'un a son micro ouvert, et je pense que ce monsieur Bernard a son micro ouvert, Ça, c'est lui qui affiche. Et quand je parlerai. il Donc faudra voilà. leur demander de sauter de Non, l'écran. ça se coupe automatiquement. Par contre, viens voir là, s'il te plaît. Ici, là, pourquoi j'ai un micro comme ça? Ah, c'est le Bernard, il a le micro fermé, c'est ça? Donc, c'est bon. Et pourquoi je ne peux pas m'afficher mon micro? Est-ce que vous m'entendez? Je fais juste un dernier réglage. Anne, tu m'entends? Oui, absolument. Galerie intégrale, on fait comme Ça, je ne ça? sais pas. On fait comme Oui, ça, c'est bien? après, tu défiles. Voilà. Après, normalement, il y a un curseur où tu défiles. Oui, parce que je l'ai mis. Voilà. Bonsoir tout le Entre 3 monde. ou 4. Ça a l'air super. On peut mettre le panneau Je regarde, d'école derrière toi. tu vas régler l'ordinateur. Je ne vais plus toucher Oui, parce qu'il y a oui. le visuel qui est derrière. Il faut que ça reste uniquement. Normalement, Bonsoir. tu as. Voilà. On peut mettre le panneau derrière. Tu vas agrandir l'image là. Je pense que la possibilité de choisir revient à l'affichage ici. Ici, je fais ça comme ça. Vous passez en mode plein écran. Moi, je connais l'écran. Là. Alors là, C'est tu as trop près, l'image là, pour non? moi. C'est Non? mon crèche. Là, Sophie, moi, je ne t'entends plus. C'est normal, j'avais coupé mon micro. Non, ça Ah oui, c'est bon, écran partagé. Écran partagé. Un participant à la fois peut partager, plusieurs participants peuvent partager. Donc, un participant, je fais ça, je clique dessus. Sophie, il y a Ah, c'est Racine bon, qui regarde, s'y connaît un peu. regarde, regarde. C'est bon, il est là. Donc, quand ce sera à toi de parler, je fais le partage ou tu veux que je le fasse maintenant? C'est la même chose. Je peux te faire le partage maintenant, c'est Oui, pas un tu fais le problème. partage maintenant. Mais partage de Partage de quoi? ton écran, de ça, avec les personnes. Non, pas maintenant, Donc, parce que pas sinon maintenant. il va raccourcir l'écran Donc, et après là, je ne arrêtez peux le pas partager. partage. Ah, par exemple. Non, le moment où j'aurai la présentation, je vais partager. Je vais sortir de là. Ou alors, avant de me donner la parole, tu affiches la première page de. Je fais, ouais, attends, j'essaie de faire. Arrêtez, je vais juste sortir, mettre le partage en pause. Okay. Reviens, Ici. j'allais commander. Attends, désaffixer, je veux. Ça enregistre, donc il ne faut pas enlever mon enregistrement. Donc ça, c'est pas bon. Ça, c'est le partage, nouveau partage. Comment je fais pour arrêter le partage en fait? Tu as déjà partagé? Oui, j'ai partagé, mais je veux Attends, l'arrêter ici. on revient au partage que tu as fait. J'ai fait ici. Reprendre le partage, je veux Oui, l'arrêter. arrêtez là, arrêtez là. J'arrête. Mais j'ai peur d'arrêter mon. Non, Ouais. non, tu veux Ah, voilà, l'arrêter. d'accord. Donc en fait, quand tu. Bonsoir. Bonsoir à tous. Cette visio, donc c'est une visioconférence sur la fiscalité des Français de l'étranger. Je remercie ceux qui se sont connectés et tous ceux qui suivent cette visio en Facebook Live.
Je tiens à remercier tout d'abord Monsieur Flynn de nous accueillir dans son école, la grande école de commerce de Marrakech. Je remercie également Anne Jeuneté, députée des Français de l'étranger pour la 11e circonscription, d'avoir accepté de donner de son temps pour les Français de l'étranger de la 4e circonscription du Maroc pour parler de fiscalité des Français à l'étranger, puisque c'est quelque chose d'extrêmement flou pour certains, d'extrêmement complexe pour d'autres. Et puis, je remercie également M. El Yacoubi, qui est président, entre autres, du Cercle des fiscalistes du Maroc et qui est consultant senior en fiscalité auprès du cabinet Marrakech Consulting Group, d'être là pour nous parler de la convention fiscale qui existe entre la France et le Maroc. Puisqu'il peut y avoir la fiscalité des Français et de l'étranger, mais lorsqu'il y a des conventions bilatérales entre deux pays en matière de fiscalité, ça peut changer la donne. Je vais vous expliquer comment va se dérouler cette visioconférence qui va durer à peu près une heure. Madame Anne Jeuneté va présenter la fiscalité des Français et de l'étranger, puisqu'elle vient de rédiger un guide sur ce sujet, donc c'est le guide 2021 de la fiscalité des Français et de l'étranger. Et ensuite, je céderai la parole à Monsieur El Yacoubi qui présentera la convention fiscale entre la France et le Maroc. Et ils essaieront ensuite de répondre à quelques-unes de vos questions. Je vous remercie pour toutes les questions que vous m'avez envoyées. Même si ce soir, vous n'avez pas forcément toutes les réponses à vos questions, je vais vous envoyer les coordonnées à la fois de Anne Jeuneté et de Monsieur El Yacoubi. Comme ça, vous pourrez les contacter directement pour avoir des réponses peut-être plus précises concernant vos cas personnels bien particuliers. Voilà, donc je vais laisser la parole à Anne Jeuneté qui va présenter la fiscalité des Français de l'étranger. Mais avant, je vais répondre à Bernard. C'est pour les questions de fonctionnalité avec Zoom. Je suis désolée, mais je vais vous l'envoyer parce qu'elle est enregistrée. Je l'enregistre et je vous l'enverrai de toute façon. Tous les Français de la 4e circonscription du Maroc recevront la vidéo de ce webinaire. Donc ne vous inquiétez pas, comme ça vous aurez le temps de réécouter tout ce qui se sera dit ce soir. Donc je laisse la parole à Anne pour nous présenter la fiscalité des Français de l'étranger. Merci beaucoup Sophie, j'ai droit à combien de temps ? Ah, j'entends plus, il faut le micro. Pardon. Environ une quinzaine de minutes pour faire une présentation générale. Est-ce que ça te va? Comme ça, après, je laisse la parole à M. El Yacoubi qui aura à peu près aussi une quinzaine de minutes. Parfait. Merci beaucoup, Sophie. Écoutez, bonsoir à tous. Alors, en effet, je suis députée pour la 11e circonscription des Français à l'étranger. C'est une grande circonscription. Je suis moi-même résidente à Singapour depuis 2005 et cette circonscription s'étend autour de Singapour depuis la Russie et l'Ukraine à tout à fait à l'ouest et puis jusqu'à la Nouvelle-Zélande, l'Australie en passant par l'Inde, la Chine, le Japon, toute l'Asie du Sud-Est. Voilà. Donc, moi, je suis un petit peu au barycentre de tout ça à Singapour. Donc depuis 2005, ça fait donc près de 16 ans que j'y suis. Je suis élue depuis 2017 et comme Française à l'étranger, j'ai été confrontée comme un certain nombre de Français, mais pas tant que ça, vous allez voir, au fait que j'avais des petits revenus que je continue à percevoir en France. En l'occurrence, je suis partie soi-disant pour 2 ans, ça fait juste 16 ans maintenant, et donc j'avais mis en location mon logement principal que j'avais en France parce que je suis comme beaucoup de Français, je suis partie avec un prêt et que je ne voulais pas m'en séparer et persuadée que j'allais rentrer au bout de 2 ans. Et donc non, ça n'a pas été le cas, j'avais donc un revenu en France alors qu'en fait ma vie économique se trouvait à Singapour. Alors, ça m'a permis c'est ça qui m'a conduit à m'intéresser au sujet parce que, comme beaucoup d'entre vous, moi, dès ma première année de mandat, puisqu'on était élu en juin, et dès l'année suivante, quand la déclaration des revenus est arrivée, j'ai été inondée de questions de personnes qui ne parvenaient pas à déclarer leurs revenus, avaient des erreurs, ne recevaient pas les documents. Enfin, je vous passe les détails, c'était
très compliqué. Donc, je me suis vraiment penchée sur le sujet pour voir mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ceci plus simple, plus lisible, et puis surtout qu'il y ait moins d'erreurs. Hein, parce que quand il y a des erreurs, c'était des erreurs qui, évidemment, faisaient que des contribuables payaient plus. Alors déjà, une petite explication. Il y a en France un seul centre qui s'occupe des impôts des contribuables non-résidents. Il n'y a pas que des Français, hein. Dans ces non-résidents, vous allez trouver probablement peut-être des Marocains qui ont des revenus en France, des Espagnols, des Américains, des Chinois, il y a absolument de toutes les nationalités. Donc, on parle plutôt de contribuables non-résidents, c'est-à-dire qu'ils ne résident pas en France. Ce centre unique, c'est le plus gros centre des impôts de toute la France. Il se trouve à Noisy-le-Grand. Et c'est le plus gros centre, mais par rapport à, vous savez que nous sommes à peu près, on dit 2,5 millions de Français à l'étranger, Français, je ne parle même pas de tous les autres, hein, eh bien, par ce centre des impôts, ne transitent ou ne sont traités que 260 000 dossiers d'impôts. Donc, vous voyez que c'est assez peu au regard du nombre de personnes que ça pourrait concerner qui pourraient avoir des revenus en France. Si je prends l'exemple des retraités, les retraités qui touchent une retraite du système français, des gens qui ont travaillé en France, qui partent en retraite, qui sont français ou pas d'ailleurs, ils décident de partir à l'étranger pour percevoir tout en percevant leur retraite de source française, car la France, je tiens à signaler, est un des pays qui autorise à ce qu'on touche sa retraite, même si on part à vivre notre retraite à l'étranger. Je dis ça parce qu'il y a des pays qui ne l'autorisent pas. Je vais en citer un que je connais bien, il est chez moi, c'est l'Australie. Vous avez travaillé 40 ans de votre vie en Australie, vous décidez de prendre votre retraite en France ou au Maroc, eh bien, tout ce que vous avez cotisé pour votre retraite australienne, eh bien, ça passe à l'as, vous ne pourrez pas le percevoir. Donc, il y a 1,5 million de retraités qui ont travaillé en France, qui ont décidé de vivre leur retraite à l'étranger. Vous voyez que 1,5 million, c'est par le biais des conventions fiscales qui fait que cette pension de retraite, finalement, au lieu d'être imposée en France, elle va être imposée dans le pays où ils passent leur retraite. C'est pour ça qu'on n'a que 260 000 contribuables, qui passent par ce centre des impôts des non-résidents qui se trouve à Noisy-le-Grand. Mais ce centre des impôts, en fait, il était noyé au milieu des services fiscaux du ministère des Finances. Et comme le ministère des Finances avait pour mission, depuis plusieurs ministères, de réduire le nombre d'employés, eh bien, ce centre des impôts voyait le nombre de dossiers à traiter augmenter pendant qu'on lui enlevait des fonctionnaires et des agents. Alors, vous imaginez l'embouteillage au bout d'un moment. Et c'est pour ça qu'on n'arrivait jamais à leur téléphoner. On n'arrivait jamais à avoir obtenu une réponse par email. Éventuellement, on pouvait prendre rendez-vous. Qui peut aller là-bas à Noisy-le-Grand? Puisqu'on habite à l'étranger, c'est a priori parce qu'on ne peut pas aller à Noisy-le-Grand, évidemment. Donc, c'était un cauchemar. Un cauchemar, et à tel point qu'il y a 2 ans, même les avis d'imposition qu'on doit recevoir à l'automne, à peu près, eh bien, certains de ces avis ont été envoyés au printemps suivant. Vous imaginez la catastrophe. Donc, ça y est, ce service a changé d'organisation. Maintenant, il a enfin le droit de recruter des agents. Et maintenant, on peut enfin leur téléphoner. On peut même prendre un rendez-vous téléphonique. Ça marche très bien. On peut leur écrire par email. On peut leur écrire sur notre session de notre compte impots.gouv.fr. Donc, voilà, les choses s'améliorent. Ce n'est pas encore parfait. Il y a encore des marges de progression, mais ça s'améliore. Alors, ces contribuables non-résidents, qui sont-ils ? D'abord, il faut être sûr qu'on est non-résident. Alors, pour ça, le droit fiscal français définit la manière suivante. Il définit uniquement ceux qui sont résidents fiscaux en France. Pardon. Pour être résident fiscal en France, la condition principale, c'est d'avoir le centre de nos intérêts économiques en France. Et là, je veux tout de suite faire tomber un mythe. C'est qu'il y a un mythe qui disait « Ah, c'était une histoire de nombre de jours qu'on passe à l'étranger qui va définir si on est résident fiscal ou pas. » Pardonnez-moi. Je fais tomber ce mythe tout de suite. Ça n'est pas le critère qui est pris en compte. Le nombre de jours passés à l'étranger sera vraiment en xème priorité. Les impôts vont d'abord regarder où vous vivez principalement. Où est-ce que vous touchez le principal de vos revenus ? Si vous êtes une famille avec des enfants, où vos enfants sont scolarisés. Par exemple, si on a un foyer fiscal, puisqu'on raisonne en foyer fiscal, un couple dans lequel monsieur travaille dans un pays étranger, et puis madame et les enfants ont décidé de rester en France, et les enfants vont à l'école en France, le centre des intérêts économiques sera considéré comme étant en France, même s'il n'y a que monsieur qui gagne sa vie à l'étranger et qui gagne le revenu principal. Voilà, donc ça, c'est comment la France définit la résidence fiscale.
Donc, à partir du moment où le centre de vos intérêts économiques, et notamment votre activité professionnelle principale, ou la source principale de vos revenus, se trouve pas en France, mais ailleurs, eh bien, il y a toute chance pour que ce soit là votre résidence fiscale et que du coup, vous soyez non résident fiscal. Donc, ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, par rapport à ça, une petite précision très importante pour l'année 2020, un certain nombre de contribuables se sont retrouvés, de Français, parce qu'on est avec des Français là, se sont retrouvés coincés en France. Ils ne pouvaient pas revenir chez vous, par exemple, au Maroc, parce que les frontières étaient fermées. Eh bien, les autorités fiscales françaises ont été très claires dans ces situations-là. Si vous étiez non résident parce que vous étiez au Maroc, tout le temps que vous avez passé en France, même si ça a dépassé 6 mois, 7 mois, etc., vous ne serez pas requalifié en résident fiscal français. Pour ça, attention, il faut prouver qu'il y avait un cas de force majeure de type fermeture des frontières. Je vous dis ça parce que si à un moment, vous vous êtes retrouvé coincé parce que, certes, les frontières avaient rouvert, mais les billets d'avion, par exemple, étaient hors de prix, je vous préviens tout de suite, il va falloir négocier ferme avec les autorités fiscales pour justifier que vous n'étiez pas resté en France par choix personnel. Voilà. Donc, en tout cas, si vous ne pouviez pas rentrer, alors vous restez non résident fiscal pour toute l'année 2020 au Maroc. Ça, c'est important de le préciser. Ensuite, quels sont les revenus que la France va regarder? La France ne va regarder que les revenus que vous percevez en France. Ensuite, je vais laisser notre interlocuteur expliquer quels sont les revenus qui peuvent être pris en compte ou pas, mais à la base du droit fiscal en France, la France ne va regarder que les revenus perçus en France. Si vous habitez au Maroc, que vous êtes résident fiscal au Maroc, tout ce que vous gagnez au Maroc ou ailleurs, la France, ça ne l'intéresse pas. Elle ne regarde que ce que vous gagnez en France. Et elle pourra, si la convention fiscale le dit, c'est là qu'il faut la regarder de très près, elle pourra vous demander de les déclarer en France pour les imposer en France. Ça dépend de ce que dit la convention fiscale, ça dépend du type de revenu. Je laisserai l'autre spécialiste en parler. La France ne regarde que ça. Mais ce qu'elle vous propose de faire aussi, c'est au libre choix de chacun, c'est que si vous lui communiquez l'ensemble de vos revenus que vous percevez partout dans le monde, au Maroc ou ailleurs, alors la France va faire le total de tous les revenus que vous avez dans le monde, en France et ailleurs. Les services fiscaux français vont calculer l'impôt fictif, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on va vous demander, hein, que vous auriez eu à payer, non pas pour vous demander cet impôt, mais pour voir quel est le taux que ça représente par rapport à l'ensemble de vos revenus. Et on tombe sur, et là, c'est là qu'on peut d'ailleurs signaler qu'on est marié, qu'on a des enfants et qu'on donc peut avoir la notion de part fiscale qui entre en ligne de compte. Et donc, une fois que la France a calculé ce taux, par rapport, le montant d'impôt fictif, encore une fois, par rapport à vos revenus, on va tomber sur 8,2%, 4,6%. Ce taux précis, exact, sur lequel tombent les calculs des services fiscaux, eh bien, c'est ce taux, 4,2, 8,6, peu importe, qui sera appliqué à vos seuls revenus que vous avez perçus en France. On ne s'occupe plus du tout des revenus perçus ailleurs. Et ça, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, ça permet de diminuer énormément le montant de l'impôt que vous payez. À moins que vous soyez un footballeur professionnel, un vainqueur de Roland-Garros ou que sais-je, mais dans tous les autres cas, ça permet vraiment de diminuer considérablement son impôt. Et maintenant, nous avons obtenu que cette fameuse case 8TM qu'il faut cocher pour avoir droit à ce taux moyen, ça s'appelle, elle est désormais beaucoup plus visible. Alors, je terminerai pour dire une dernière chose. La date limite pour déclarer ses revenus perçus en France, c'est le 8 juin pour les contribuables non résidents. Donc, on a encore une petite quinzaine de jours à peu près. 8 juin. Si vous avez la moindre difficulté maintenant, les services fiscaux, surtout si vous le faites en avance, vous répondent. N'hésitez pas sur votre sessionimpôt.gouv.fr à envoyer un message ou un email, ils vous répondent maintenant. De toute façon, si vous avez envoyé un email pour poser une question et qu'on ne vous a pas répondu dans les temps, vous aurez la preuve que vous attendiez la réponse. Et les services fiscaux français, vous savez, dès qu'on leur parle, c'est des gens plutôt extrêmement coopératifs, extrêmement bienveillants et conciliants. Il n'y a pas de souci à se faire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait trop long de toute la notion de barème. Pour faire simplement, ceux qui sont résidents fiscaux en France, on leur applique un barème qui est dit le barème des résidents. Et quand on est hors de France, ce n'est pas vraiment un barème, mais la manière de collecter l'impôt répond à un barème aussi, qui est un barème non résident. C'est ça qui rend la lecture un petit peu difficile, avec un mécanisme de collecte qui est un peu différent selon qu'il s'agit d'un revenu
salarié, de droit d'auteur, d'un loyer qu'on touche, d'un bien qu'on a mis en location. Tout ça, c'est un petit peu différent. Mais voilà, il y a deux barèmes, celui pour ceux qui sont en France et celui pour ceux qui sont à l'étranger. Sophie, je vais peut-être m'arrêter là dans un premier temps pour pouvoir après répondre à toutes les questions complémentaires qu'il pourrait y avoir. C'est déjà suffisamment compliqué pour ne pas rajouter de la complication à la complication. Merci beaucoup, Anne. Bonsoir, je tiens à dire bonsoir à Jawad qui nous a rejoint. Merci de participer à la réunion. Je t'en remercie. Je remercie toutes les personnes qui sont en train de se connecter. Comme l'a dit Anne, merci d'avoir clarifié ces points concernant la fiscalité des Français à l'étranger. Maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur El Yacoubi, qui va nous présenter la convention fiscale entre la France et le Maroc. Alors, juste avant, partage. Je vous mets. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez la convention fiscale entre la France et le Maroc? Ok, très bien. Je vous le mets en mode diaporama. Alors, diaporama actuel au début. Voilà, c'est bon. Et vous avez l'écran. Je laisse la place à Monsieur El Yacoubi. Merci Anne. Je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir invité à ce webinaire. Et je tiens aussi à vous remercier pour le travail de modération que vous faites pour cette rencontre qui se passe en ligne. Donc, je vais essayer de présenter brièvement la convention fiscale de non-double taxation conclue entre le Maroc et la France. Et je vais m'intéresser bien entendu aux aspects juridiques et fiscaux. J'ai choisi les points les plus importants qui peuvent intéresser les participants. Tout d'abord, cette convention, je tiens à rappeler, c'est une convention qui est relativement ancienne. Elle a été signée à Rabat en mai 1970, entrée en vigueur en 1975. Il y a aussi un protocole qui est annexé à la convention. Pourquoi cette ancienneté? Cela s'explique tout simplement par les relations privilégiées que nous avons, je dirais, entre le Maroc et la France. La France, pour le Maroc, c'est le premier client, c'est le premier fournisseur. Chaque année, il se classe pratiquement le premier investisseur aussi, d'où l'importance, je dirais, de la coopération, tant sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan culturel, entre les deux pays. Je rappelle également que cette convention a été complétée par un avenant qui a été signé en 89, entré en vigueur en 92. L'avenant, surtout, a permis de rajouter tout ce qui est assistance en matière de recouvrement, l'intervention aussi des assistants techniques français servant au Maroc et également quelques clauses qui concernent les contrats clés en main. D'abord, au niveau introductif, je tiens à rappeler que sous la pression internationale de lutte contre l'évasion fiscale, nous sommes orientés d'une façon, je dirais, irréversible vers une conformité fiscale internationale. C'est ce qui fait que le Maroc est en train de durcir progressivement sa législation. Il a intégré la lutte contre l'évasion fiscale dans l'article 214 du Code général des impôts marocains et qui permet désormais à l'administration fiscale marocaine de collecter l'information sur les contribuables auprès des banques, de les transférer éventuellement à la demande d'autres pays. On verra un petit peu aussi après cette réglementation FATCA et aussi la convention de l'OCDE sur l'échange automatique d'informations à des fins fiscales, qui n'est pas encore entrée en vigueur au Maroc, mais qui le deviendra incessamment, probablement soit vers la fin de cette année ou l'année prochaine. Le Maroc procédera à l'échange d'informations à des fins fiscales avec, je dirais, 122 pays qui sont liés à l'OCDE à travers notamment les accords BEPS. Et puis, il faut dire aussi que les banques européennes exigent maintenant de leurs clients une preuve qu'ils sont en situation régulière à travers ce qu'on appelle le tax compliant par rapport à la législation fiscale. C'est-à-dire qu'il faut prouver
avoir payé les impôts relatifs à ces revenus mondiaux et non pas les revenus uniquement dégagés dans le pays où vous êtes résident fiscal. Et faute d'un justificatif officiel, ils auront deux choix, soit clôturer leur compte, soit autoriser leur banque à transférer leurs fonds dans une autre institution financière. Alors, quand on parle de convention fiscale, il faudrait rappeler un point qui me semble important. Chaque pays a son propre code général des impôts, mais en plus du code général des impôts, vous êtes aussi obligé de respecter la convention fiscale que vous avez conclue avec un certain nombre de pays. Le Maroc a des conventions fiscales maintenant avec pratiquement tous les pays qui comptent en quelque sorte. Nous n'avons pas de convention fiscale uniquement avec les paradis fiscaux, ce qui est tout à fait compréhensible. Quand on parle de convention, ce qui va nous intéresser, je dirais, dans cette intervention, les revenus de capitaux mobiliers, les soldes de compte bancaire, la valeur de rachat de bons, les contrats de capitalisation, les placements, les bons du trésor, les bons de caisse. C'est des aspects donc que je vais survoler tout à l'heure rapidement avec aussi les taux d'imposition qui sont prévus. La convention OCDE a pour but de lutter contre la fraude fiscale. Elle constitue aussi une mesure, je dirais, de prophylaxie internationale contre le blanchiment d'argent. La loi de finances 2018, déjà, donc, avait prévu une amnistie fiscale pour les résidents étrangers établis au Maroc sous forme de contribution libératoire et la cibler les revenus générés à l'étranger. On va, comme je l'avais expliqué, vers une mise en conformité par rapport à la fiscalité internationale et c'est une bonne chose pour le Maroc, tout simplement parce que le Maroc a toujours été pour un arrimage à l'Union européenne, un arrimage aux pays occidentaux, d'où cette mise à niveau fiscale qui est très importante, bien que le Maroc a perdu en termes de dispositifs incitatifs par rapport à des activités comme l'export, comme les zones offshore que nous avons, etc. Mais je dirais, quand on regarde d'une façon globale, on est plutôt gagnant au niveau de cette mise à niveau fiscale. Si je parle maintenant du droit marocain lui-même, du Code général des impôts, sur le plan de la territorialité, sont assujettis à l'impôt sur le revenu au Maroc les trois catégories de personnes que vous avez sur cette diapo, les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal à raison de l'ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine et étrangère. Et puis, vous avez aussi les personnes physiques qui n'ont pas au Maroc leur domicile fiscal à raison de l'ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine. Et en dernier lieu, les personnes ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc et qui réalisent des bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d'imposition est attribué au Maroc en vertu de la convention fiscale, en l'occurrence la convention franco-marocaine qu'on verra tout à l'heure. Au sens du Code général des impôts, une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu'elle a au Maroc son foyer d'habitation permanent, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. Comme l'avait rappelé Madame donc, effectivement, ce critère de nombre de jours n'est pas le plus important. Donc, on le verra tout à l'heure. On s'intéresse plus, je dirais, au foyer d'habitation permanent pour notamment les particuliers. Et on s'intéresse davantage au centre de ces intérêts économiques qui sont des critères qui sont importants. Alors, la convention internationale ou la convention fiscale de non-double taxation entre le Maroc et la France prévoit qu'une personne physique est domiciliée au sens de la convention. Elle a ce qu'on appelle son foyer permanent d'habitation. Si cette personne possède un foyer permanent d'habitation dans les deux États, elle est réputée posséder son domicile dans celui où des États contractants, où elle a le centre de ses activités professionnelles ou à défaut, où elle séjourne le plus longtemps possible. C'est comme si vous avez ces critères que j'avais décrits tout à l'heure qui sont un petit peu dans l'ordre. On commence par le foyer d'habitation permanent, dans le cas où vous êtes juste retraité ou vous avez quelques propriétés au Maroc. Et si vous êtes effectivement résident ici à titre de résidence principale, ce critère il suffit amplement à vous définir comme résident fiscal au Maroc. Mais si par contre, vous avez aussi, je dirais,
des entreprises implantées au Maroc et d'autres qui sont en France. Là, on va passer au deuxième critère et ainsi de suite. Alors, en matière de revenus, je dirais les revenus qui sont les plus importants, je vais en dresser à peu près 6 ou 7 qui me semblent importants. D'abord, ce qu'on appelle les retenues à la source. En matière de retenues à source, la convention entre le Maroc et la France prévoit des taux maximum de retenue à la source de 15% pour les dividendes. 15% pour les dividendes. 15% pour les intérêts. Et s'il s'agit des montants bruts des intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse. Et vous avez aussi un taux maximum de 10% du montant brut des autres intérêts. En matière de redevances, le taux maximum d'imposition est 5 et 10% selon le cas. Je tiens juste à préciser une chose, quand on parle de résidence fiscale, en matière de revenus mobiliers, je ne parle pas de l'immobilier, mobilier, ça veut dire actions, parts sociales, dividendes, etc. Les revenus mobiliers, les profits mobiliers sont imposés dans le lieu de résidence fiscale. Si vous êtes résident au Maroc, même si vous réalisez des dividendes sur une société qui est implantée à Madrid ou à Paris ou ailleurs, vous allez payer 15% au Maroc. Donc, compte tenu de la législation que l'on a. Et tant mieux parce que, autrement, des fois, vous pouvez avoir des taux d'imposition qui sont beaucoup plus élevés que les 15%. Et puis, en matière aussi de revenus immobiliers, en cas de cession de parts sociales, d'actions, si vous réalisez une plus-value sur cette cession des parts sociales ou d'actions, donc vous allez payer 20%. Donc là, on se retrouve un petit peu dans ces taux-là. Donc, soit 10, soit 15, soit 20, et ce sont les taux que l'on a, on n'a pas plus. Deuxième type de revenus, c'est l'imposition des bénéfices d'une entreprise. Ici, une entreprise, si vous avez une entreprise en France, tout ce qui est lié à cette entreprise va être imposé en France, même si vous êtes résident au Maroc. Et puis, la convention prévoit également que les revenus d'une entreprise ne sont imposables que dans l'État sur le territoire duquel se trouve un établissement stable. La notion d'établissement stable, c'est une notion aussi fiscale. On parle d'établissement stable selon la convention entre le Maroc et la France quand il s'agit d'un chantier de construction et quand il s'agit d'un chantier de montage dont la durée est supérieure à 6 mois. À ce moment-là, on considère que vous avez un établissement stable et à ce moment-là, vous allez être imposé dans le lieu d'implantation de cet établissement stable. On passe au troisième type de revenu qui peut vous intéresser aussi, ce sont les biens immobiliers. Les biens immobiliers. Ici, c'est très simple. Un bien immobilier, il est imposé là où ce bien immobilier est situé. Si vous avez un appartement à Madrid, il va être imposé à Madrid. S'il est à Paris, il va être imposé à Paris. Et s'il est au Maroc, bien évidemment, il va être imposé au Maroc. Et quand on parle d'imposition, ça veut dire taxe d'habitation, taxe foncière. Ben, nous, on appelle ça ici taxe d'habitation, taxe des services communaux. Et si vous avez des loyers, un revenu locatif, la même chose. Et puis, l'aliénation des biens immobiliers est également concernée. Ça veut dire en cas que si vous vendez une villa, un appartement, vous réalisez un profit immobilier, ben, ça va être imposé là où cet appartement ou cette villa est implantée. Donc, encore une fois, c'est un point qui me semble important à préciser. Les revenus mobiliers, les profits mobiliers suivent la résidence fiscale de la personne. Le son ! Problème avec le son ! Problème avec le son ! Mais les biens immobiliers suivent leur implantation, ils suivent le sol. Donc, ils sont n'entends rien ! Là où le bien immobilier existe. Quatrième type de revenus, ce sont les salaires, traitements et autres rémunérations. Là aussi, vous êtes résident fiscal au Maroc, mais vous avez un salaire que vous gagnez à Paris. Ben, le salaire qui est versé par une société parisienne va être imposé en France. Excusez-moi, on n'entend pas du tout. Si vous avez un salaire d'une autre société que vous avez ici à Monsieur. Marrakech, ben, il va être imposé au Maroc. Alors, avec une petite précision,
les salaires de la fonction publique sont exclusivement imposables dans l'État qui paye ses salaires. Dans l'État qui paye ses salaires indépendamment de votre résidence fiscale. Ça, c'est la convention qui le précise. Encore une fois, donc, rapidement, les salaires qu'un résident d'un État reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État. Et puis, les salaires des fonctionnaires publics sont imposés dans le pays qui paie les salaires. Donc, il peut même procéder à une retenue à la source si la législation le prévoit. Alors, en matière de pension, ça peut intéresser les retraités qui s'installent. Il y en a beaucoup qu'on voit à Marrakech et dans d'autres villes marocaines. Qui choisissent le Maroc non pas seulement pour des raisons fiscales, mais également pour le climat, pour plusieurs autres avantages qui sont la qualité de vie, etc. C'est important. Là aussi, contrairement à d'autres conventions fiscales, les pensions ne sont imposables que dans l'État où le bénéficiaire a son domicile fiscal. Ça veut dire qu'un retraité, tout simplement, qui a choisi comme résidence fiscale le Maroc ou Marrakech, alors sa retraite va être imposée uniquement au Maroc, même s'il n'est pas transféré au Maroc. Après, s'il est transféré, il va avoir un abattement. Tout à l'heure, je reviendrai à cet aspect spécifique qui fait qu'il y a, je dirais, un dispositif incitatif qui est très important en matière fiscale et qui permet d'imposer les retraites à des niveaux qui sont relativement faibles. Et puis, sixième point qui me semble important, c'est que la Convention prévoit clairement une élimination de la double imposition. Ça veut dire qu'elle prévoit des méthodes pour éliminer le fait que vous soyez imposé dans les deux pays, ce qui effectivement est intéressant. Et puis, la Convention prévoit aussi… Excuse-moi, mais je pense qu'il y a un petit problème. Nous n'entendons rien. C'est prévu… par l'article 31 de la Convention et permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales d'un État de régler des difficultés soulevées par l'application des dispositions de la Convention dans le cas où il peut y avoir une interprétation qui est divergente entre l'autorité fiscale française et marocaine. C'est des choses qui peuvent arriver dans certains cas, mais qui souvent donc... C'est des choses qui sont réglées par la procédure à l'amiable et par la coopération aussi qui s'opère entre les deux pays. Alors, je vais essayer de survoler peut-être quelques exemples qui me semblent importants au niveau des revenus. Alors, regardez un petit peu, là, vous avez quelques points qui sont importants. La déclaration de revenus global qui doit être déposée avant le 1er mars, la déclaration des revenus de capitaux mobiliers avant le 1er avril, pour les profits de capitaux mobiliers de source marocaine ou de source étrangère avant le 1er avril. Donc, vous avez l'échéancier donc, qui précise ces dates. Et sachez que maintenant c'est la déclaration et le paiement sont digitalisés. Ça veut dire qu'on procède à une télédéclaration et à un télépaiement de ces impôts. En matière de taux d'imposition, quand il s'agit de revenus ordinaires, comme un salaire, etc., donc vous avez un impôt progressif qui va de 0 à 38 %. En matière de revenus de capitaux mobiliers, il y a un taux libératoire de 15 %. J'insiste qu'il s'agit d'un taux libératoire, c'est-à-dire que vous payez uniquement 15 % et pas autre chose. Vous n'allez pas avoir autre chose en plus. Profit de capitaux mobiliers, 15 ou 20 % libératoire encore une fois. C'est important aussi. Et puis, en matière de profit foncier, ça veut dire que vous avez acheté un terrain que vous avez revendu ou un appartement, donc sur la plus-value, donc vous payez 20 % libératoire avec une cotisation minimale, donc un minimum qui est de 3 % du prix de vente. Donc, voilà un peu les taux d'imposition que nous avons au Maroc. L'imposition des salaires, c'est vrai qu'on a un barème qui arrive à un taux qui est élevé. Mais sachez que ceux qui sont payés un petit peu au niveau du SMIG, un peu aussi légèrement supérieur, quand on est à 2 500, 3 000 dirhams, c'est exonéré. Donc, on ne paye pas d'impôt sur le revenu. Et ensuite, ça va d'une façon progressive de 10 à 38. Quand vous arrivez au dernier étage, vous ne payez pas en fait le taux de 38, mais vous payez d'abord, voilà, donc il y a la première tranche qui est exonérée, ensuite 10, c'est par étage en fait. Donc, voilà.
Si quelqu'un... Excusez-moi, je n'ai pas vu le message correctement. Il faut que je puisse sur quelle touche pour réactiver le son. Merci. Ah, ici, il y a un problème ici. Sachez aussi que... Oui, alors attendez, on va regarder cette question. Alors, je vais essayer d'augmenter le son. Parce que comme on est en présentation PowerPoint, je vais sortir de l'écran. Je ne sais pas si tout le monde a un problème de son. Il y a un monsieur qui signale qu'il a un problème de son, mais ce n'est peut-être pas le cas de tous les participants. Hein. Oui, donc écoutez, je... Voilà, parce que... Après, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez poser des questions. Peut-être que les participants peuvent qui n'entendent pas peuvent se signaler, comme ça on saurait si c'est une personne toute seule, auquel cas ce serait sur son ordinateur. Non, c'est bien entendu, donc c'est bon. D'accord. Non, ce n'est pas celui-là. Vous allez le mettre, il faudrait vous rappeler que vous allez le mettre sur le... Oui, oui, je vais le mettre. Je crois que le monsieur qui disait ne pas avoir de son, c'est peut-être chez vous, monsieur. Oui, je pense que c'est sa connexion, c'est votre connexion à vous qui a. Monsieur Bernard qui disait ne pas avoir de son, je pense que c'est chez vous le problème parce que les autres participants entendent bien. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Un exemple chiffré sur lequel on peut revenir, vous avez dividendes, revenus fonciers, pensions de retraite, revenus fonciers et profits fonciers avec des taux d'imposition. Et encore une fois, on est sur les taux qu'on a vus tout à l'heure. Je tiens peut-être à les rappeler. Pour revenir, comment je peux faire? Non, en fait, il faut sortir de la présentation. D'accord, non, non. En fait, ça va du 10 à 38, donc c'est exonéré jusqu'à 30 000. Encore une fois, vous avez les taux soit de... qu'on a vu tout à l'heure, il y a le taux de l'impôt sur le revenu qui va de 0 jusqu'à 38%, mais surtout la diapo précédente donc, qui précise qu'en matière de revenu global, vous avez une imposition progressive de 0 à 38. Revenu de capitaux mobiliers, ça veut dire actions, parts sociales, etc., c'est 15% libératoire. Profit de capitaux mobiliers 15 ou 20% libératoire. Et puis en matière de profit foncier, vous avez 20% libératoire. Donc voilà un peu les taux d'imposition les plus utilisés. Comment je peux avancer? Alors j'ai choisi cet exemple. Pour illustrer le cas des retraites, j'ai choisi un retraité qui a une petite retraite, un autre qui a un montant beaucoup plus élevé. Par exemple, la personne que vous avez en bas, il touche 4 pensions de retraite. Donc, il a 4 organismes différenciés ou distributeurs. Quand on fait le total, on a un montant d'environ 50 400 dirhams. Cette pension, elle est convertie selon un taux de change qui est fourni par l'administration, donc qui est annuel, donc il est déterminé par l'administration fiscale. On convertit les euros en dirhams. Ensuite, sur les 168 000 dirhams, la personne en question bénéficie de 60% d'abattement. Et puis, le surplus, c'est un autre abattement de 80%. Alors, ces deux types d'abattements, 60% pour le montant qui est inférieur à 160 000 dirhams, qui est le premier étage, et ensuite 40% au-delà, c'est des abattements qui s'appliquent à toutes les personnes, même si le revenu n'est pas transféré au Maroc. Même si vous êtes résident au Maroc et toute votre retraite, vous la laissez en France, ou peut-être qu'elle est versée à vos enfants, ou peu importe. Maintenant, on calcule l'IR compte tenu de ces premiers abattements, donc 60 et 40, on va obtenir un taux d'imposition donné qui est ici par exemple de 87 000 dirhams. Et puis cette personne, supposons qu'elle a transféré la totalité de ses retraites ici au Maroc sur un compte en dirhams non convertible, un compte en dirhams ordinaire et non pas un compte convertible, c'est important. Une fois que vous transférez l'argent dans un compte en dirham ordinaire, vous bénéficiez d'une réduction de 80% de l'IR qui a été calculé. Et c'est ce qui fait que cette personne, parce qu'elle a transféré la totalité de sa retraite au Maroc, au lieu de payer 87 000 dirhams, cette personne paye seulement 17 000 dirhams par rapport au montant de sa retraite annuelle. Donc, il paiera 3,2% seulement. Si le montant est transféré au Maroc,
Donc, ça me semble quand même un taux qui est relativement intéressant. Alors, aussi, peut-être beaucoup de résidents français établis au Maroc ne le savent pas, même si vous transférez la totalité de votre retraite sur le compte en dirham ordinaire, la réglementation de change prévoit aussi le retransfert des économies sur vos pensions de retraite. Si vous voulez retransférer, vous avez la possibilité de le faire aussi. Mais il faut quand même faire rentrer cet argent et le loger non pas dans un dirham convertible, mais dans un dirham, dans un compte, donc en dirham non convertible, en dirham ordinaire. Petite précision encore une fois, quelqu'un qui va transférer ses pensions de retraite sur un compte en dirham convertible, c'est comme s'il n'a rien transféré au Maroc. C'est considéré comme s'il n'a rien transféré au Maroc. Ce n'est pas parce que cet argent est arrivé à la banque marocaine. Non, il faut qu'il soit viré sur le compte en dirham ordinaire. Regardez, par exemple, ici, c'est Monsieur X. Et puis, vous avez Madame Y, qui est son épouse. Là, même si cette dame a quatre organismes de retraite, mais le total de sa retraite annuelle est de seulement 6 000 euros. Ce n'est pas un montant qui est élevé. En appliquant les abattements, là, on se retrouve avec zéro impôt à payer. C'est parce que ces abattements existent, tout le monde en bénéficie. Les abattements, les premiers abattements de 60 et 40, encore une fois, 60% sur le montant de votre retraite de 0 jusqu'à 168 000 dirhams. Au-delà de 168 000 dirhams, vous avez uniquement 40% d'abattement et non pas 60%. Ça veut dire qu'on encourage, on donne un bonus en quelque sorte aux petites retraites, aux petits retraités. Et ça s'applique aux Marocains, ça s'applique aux étrangers aussi. Sauf que nous, Marocains, c'est prélevé à la source. Donc on ne fait pas de comme pour les salaires d'ailleurs. Donc, c'est l'organisme qui prélève à la source. Dans ce cas-là, donc, cette personne donc, ne paiera pas d'impôt. Et là, sa résidence fiscale, elle aura son attestation de résidence fiscale aussi qu'elle peut donner aux besoins à des organismes financiers ou bien aux autorités fiscales françaises. Voilà quelques exemples de formulaires. Bien que maintenant, il y a une généralisation de la télédéclaration et du télépaiement, mais c'est juste pour voir les formulaires donc, qui sont aussi digitalisés. Ça, c'est un exemple de déclaration de revenus de profit immobilier de source étrangère. Ça, c'est un exemple d'état des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère. Un exemple pour les revenus fonciers. Un exemple aussi pour la déclaration des retraites de source étrangère, donc qui sont transférées ou pas au Maroc. Donc, voilà des exemples. Et voilà. Et sur ce, donc, je reste à votre disposition s'il y a des questions. Par rapport aux participants qui peut-être n'ont pas bien écouté, donc ils peuvent reposer leurs questions par rapport aux points qui les intéressent. Encore une fois, merci. Je remercie Madame Anne Genette donc, pour son excellente intervention, comme je remercie aussi Sophie qui assure la modération, et je cède ma place à Sophie qui va gérer le débat. Merci. Merci infiniment, Monsieur El Yacoubi. J'ai appris énormément de choses ce soir parce que, en fait, je ne savais pas qu'on le Maroc incitait, grâce à la convention fiscale, notamment les petites retraites, à transférer leur retraite, parce qu'avoir un abattement de 60% sur son imposition, je pense que c'est plutôt incitatif. Et c'est pour ça que je voulais absolument faire cette visioconférence sur la fiscalité, parce que je trouve qu'il y a de fausses informations qui circulent en matière de fiscalité au Maroc. Ça fait peur aux Français établis au Maroc, qui ont peur de se déclarer résidence fiscale au Maroc, parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont payer un taux d'imposition extrêmement important. Je suis agréablement surprise. J'ai appris beaucoup de choses. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à nos auditeurs. Si vous avez des questions. Alors, j'ai eu pas mal de questions vous m'avez envoyé énormément de, euh,
de mail avec, avec vos questions. J'avais notamment une question et, que j'avais posée, donc j'avais envoyé une certaine série de questions, que ce soit à Njente ou à M. El Yacoubi. Mais je laisse la parole aux personnes qui sont là connectées. Si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole. Vous avez normalement la possibilité de lever la main, comme ça, ça me permettra de mieux réguler la parole. Est-ce que Bernard veut poser sa question ? Bonjour et merci. Oui, voilà. En France, je ne serai pas imposable. Et ici, je paye 3700 dirhams par an pour ma retraite qui s'élève à peu près à 11 000 dirhams par mois. Qu'est-ce que M. Jawed m'a dit qu'ils influençaient sur les petites... Alors, c'est pas M. Jawed, c'est M. El Yacoubi. Ah, M. El Yacoubi, pardon. A dit que l'État marocain préconisait des facilités pour les petites retraites. Moi, je trouve que je suis un peu assommé du fait que je ne serai pas imposé en France. Voilà. Je vais mettre à côté pour répondre. Voilà, je vais juste déplacer mon ordinateur, comme ça, M. El Yacoubi pourra répondre. En principe, si votre déclaration ou télédéclaration est faite correctement, donc, vous allez bénéficier des abattements que je viens de souligner. Je tiens à les rappeler encore une fois. Dans un premier temps, vous bénéficiez d'un abattement de 60% à hauteur de 160 000 dirhams et au-delà d'un abattement de seulement 40%. Et ensuite, on calcule l'impôt. Et si l'impôt calculé est de 100, si vous transférez la totalité de votre retraite au Maroc sur un compte en dirhams normal, vous allez payer uniquement 20 au lieu de 100. Donc, vous allez avoir une réduction supplémentaire de 80% de l'IRAP. Donc, c'est simple, en fait, juste sur un tableur Excel, vous allez pouvoir faire le calcul et voir est-ce que votre impôt est correctement calculé. Sachez aussi que s'il y a un trop-perçu par l'administration, donc c'est votre droit d'être remboursé et l'administration marocaine va vous rembourser. Il suffit de faire la réclamation et de la motiver. Ils vont vérifier et on a déjà vu des choses comme ça. Donc ça peut arriver. Donc, mais là, si effectivement vous trompez dans la déclaration, donc il y a personne qui va. Peut-être c'est pas l'administration qui va remarquer l'erreur. Donc, vu le nombre de déclarations qui sont déposées. Pardon, excusez-moi Bernard, peut-être une petite précision. Est-ce que vos retraites restent domiciliées en France ou est-ce qu'elles sont virées sur un compte en dirham au Maroc ? Alors, je verse tout sur un compte en dirham non convertible au Maroc. Toute ma retraite passe au Maroc. Et malgré le fait que je ne risque pas d'être imposé en France du fait de ma petite retraite, au Maroc, on me taxe quand même de 3400 ou 3500 dirhams par an. Voilà. Bon. Vous avez un revenu en dirhams de combien par mois à peu près, s'il vous plaît ? J'ai un revenu de 11 000 dirhams par mois. En principe, ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur au niveau de votre déclaration. Parce que les 11 000 dirhams, vous allez le multiplier par 12, ça va vous donner un montant. Donc déjà, vous bénéficiez de l'abattement de 60% en calcul d'hier, qui est déjà d'un niveau faible, et puis vous aurez une réduction de 80%. Vous allez avoir un montant qui est relativement faible. Il doit y avoir peut-être une erreur sur la déclaration. Ben oui, mais je peux pas. Comment je peux faire pour dire qu'il y a une erreur ? J'ai pas. Il faut juste. Il faut Moi, juste je. Se déplacer, je... Il faut juste se déplacer. Aux impôts. Je ne sais pas dans quelle ville vous êtes. Il faut se renseigner sur le service de la fiscalité des particuliers. Il y a les services de la fiscalité des personnes morales, le service de la fiscalité des professionnels. Mais vous êtes concerné par le service de la fiscalité des particuliers. Et il y a très souvent des inspecteurs qui sont serviables, qui peuvent vous recalculer tout de suite avec vous votre. Et eux-mêmes, ils vont vous conseiller de déposer une réclamation et une demande de restitution. Donc, si effectivement cela est motivé. Écoutez, je vous remercie parce que c'est ce que je vais faire. Je me demandais à un moment donné si je ne devais pas faire plus tôt
mon foyer fiscal en France où je ne paye pas d'impôts et déclarer et ne rien payer d'impôts. Monsieur Bernard, si vous êtes résident fiscal au Maroc, la retraite ne sera pas imposée en France. Donc, il n'y a pas lieu de l'imposer. Vous allez faire un écrit à l'administration fiscale française et puis l'imposition sera au Maroc. Donc, d'accord. Et s'il est égal à, peu importe, à 3 000 ou à 2 000 dirhams ou à 0 dirhams, donc l'imposition, elle est au Maroc, c'est dans la convention fiscale, ça c'est clair. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment. J'irai voir mon inspecteur des impôts à Aïtourir, puisque j'habite à Ajma Dermat, à côté de Marrakech. Je suis de la commune, de la circonscription d'Aïtourir pour mes impôts. J'irai les voir et je vous remercie de votre réponse. Aussi, vous venez à Marrakech, vous allez à la direction régionale des impôts à Targa. C'est exactement au deuxième étage, c'est la fiscalité d'accord. des particuliers. À Targa, donc un quartier qui s'appelle à okay, côté du carrefour Targa. Donc, je vous remercie infiniment. Le deuxième étage, c'est la fiscalité des particuliers, donc ils vont vous recevoir. Vous pouvez même voir le chef du service, donc ils sont tous accueillants et sympathiques. Et croyez-moi, donc ils vont résoudre votre problème sur le champ. Vous êtes parfait. Je vous remercie infiniment, avec un I majuscule, vraiment. Merci Bernard, je suis moi-même ravie parce que j'apprends énormément de choses. Alors, avant de laisser, est-ce que j'ai… Ah oui, j'ai Mounir qui veut poser… Non, je me suis trompée. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question avant que je pose une question à Anjante qui m'a été envoyée par Internet? Alors, je vais poser… Donc Anne, encore merci pour la présentation de tout à l'heure. On peut passer les questions écrites. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Donc, pourquoi en tant que Français de l'étranger, vivant à Marrakech en situation régulière, c'est-à-dire avoir une carte de séjour, avoir déclaré ma résidence principale à Marrakech, pourquoi mon appartement à Bordeaux, qui est considéré comme une résidence secondaire pour l'administration fiscale française, dois-je payer la taxe d'habitation en France ? Alors, question en effet qui peut revenir souvent. Alors, quand on est, ça a été très bien décrit par ce message, cette personne a sa résidence principale au Maroc, l'appartement de Bordeaux est automatiquement considéré par le fisc français comme une résidence secondaire, et donc les résidences secondaires en France sont soumises comme toutes les résidences quand on est propriétaire à la taxe foncière, ça, c'est partout la même chose. Et en plus, quand on est propriétaire et qu'on l'occupe, c'est-à-dire même si on n'est pas là tout le temps, mais qu'on ne l'a pas mis en location, on est soumis à la taxe d'habitation. La taxe d'habitation en France a été supprimée exclusivement pour ceux qui sont en résidence principale. Et à peu près trois quarts des propriétaires en France occupants ont vu, les occupants des logements, parce que la taxe d'habitation est due à la fois par, elle est due, pardon, par les occupants d'un logement, qu'ils soient propriétaires ou locataires. Et donc, les occupants du logement, uniquement les revenus les plus élevés, on sera encore soumis à cette taxe d'habitation pour l'année qui vient. Mais en 2022, ceux qui sont en résidence principale en France, qu'ils soient locataires ou propriétaires, ne seront plus soumis à la taxe d'habitation. En revanche, ça reste vrai, et comme il habite Bordeaux, je pense qu'il y a un autre sujet sous-jacent, comme il est en résidence secondaire, il est toujours soumis à la taxe d'habitation. De plus, pour lutter contre les logements vacants, il a été permis à l'ensemble des municipalités d'ajouter à la taxe d'habitation une surtaxe et aux résidences secondaires uniquement. Aux résidences secondaires parce que considérées comme vides puisqu'elles sont occupées de manière intermittente. Et donc, certaines grandes villes ont procédé à cela et elles ont une grande liberté dans cette surtaxe d'habitation. Et dans la ville de Paris, la surtaxe est de 75%. Elle est considérable. C'est vraiment une somme absolument énorme. Et je crois savoir qu'à Bordeaux, il y a cette surtaxe également sur les résidences secondaires. Donc, c'est probablement ça la question. Et là, on n'y peut rien. Les résidences secondaires en France sont soumises, quand on est occupant, à la taxe d'habitation, plus éventuellement une surtaxe dans certaines communes, mais pas dans toutes les communes. C'est au libre choix de la commune. Juste à rajouter un petit détail. Comme vous le savez, le Maroc a une communauté de Marocains résidents en France qui est très importante. C'est des résidents fiscaux en France. Mmh. Côté marocain,
la législation fiscale pour encourager les Marocains résidant en France à investir au Maroc, la législation marocaine considère d'une façon dérogatoire que leur résidence est principale au Maroc et bénéficie de l'abattement sur la valeur locative qui est l'assiette de calcul de la taxe d'habitation et la taxe des services communaux au Maroc, je veux dire. Ça, c'est spécifique au Maroc. C'est le Maroc qui le fait pour drainer les investissements de ces Marocains qui sont... Je trouve que c'est une très bonne idée. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et comme je travaille beaucoup sur la fiscalité, vraiment très sérieusement, je le dis très sérieusement, je pense que c'est une idée que je pourrais suggérer, car nous avons aussi un problème de création de logements en France. Hein, on manque terriblement de logements et ça pourrait être une piste très intéressante. Nous avons la question parce que, si vous voulez, les personnes qui habitent à l'étranger et qui sont propriétaires d'un logement en France, ils sont propriétaires de plein de manières. Ça peut être un petit pied-à-terre qu'on a gardé à Bordeaux pour quand on passe de temps en temps en France. Ça peut être la maison en banlieue d'une ville qu'on a gardée parce qu'on pense qu'on va revenir un jour et qu'on va la réoccuper. Et ça peut être aussi une maison au bord de la mer ou à la campagne, qui était une résidence déjà secondaire avant et qui le resterait après. Il y a plein de façons d'être propriétaire d'un bien immobilier. Et donc, de ce fait, les services fiscaux français n'ont jamais voulu proposer une solution intermédiaire à ces personnes qui sont à l'étranger, par exemple au Maroc, qui seraient propriétaires d'un bien immobilier en France, pour dire, OK, votre bien, OK, ce n'est pas votre résidence principale, mais on va dire que pour le moment, on considère que c'est la résidence secondaire, on va leur trouver un statut intermédiaire, qui soit ni principal ni secondaire. Ça ne marche pas parce qu'il y a trop de manières différentes d'être propriétaire d'un bien immobilier en France. En revanche, ce que vous dites là est extrêmement intéressant et franchement, il faut creuser le sujet pour encourager. Moi, ça fait un moment que je dis qu'il faut essayer d'aller chercher l'argent des Français qui sont à l'étranger. Moi, dans ma circonscription en Asie, il y en a qui ont de l'argent, il n'y a pas de problème. Et pour les encourager à venir acheter un bien immobilier en France et à contribuer à créer de la valeur et du logement en France. La piste est vraiment intéressante. Il y a des choses intéressantes au Maroc, hein, j'ai noté. Il y a pas mal de gens de Français au Maroc. Je te confirme, Anne. Alors, j'ai une question pour monsieur El Yacoubi, pardon. Résident fiscal au Maroc, pouvez-vous m'expliquer la raison pour laquelle nous sommes exonérés des prélèvements sociaux sur nos retraites versées au Maroc, alors que nos revenus fonciers y sont assujettis en France? C'est normal, les revenus fonciers sont des revenus immobiliers. Tout ce qui est immobilier est imposé là où le bien immobilier est implanté. Vous êtes français, vous avez un appartement à Paris et un appartement à Madrid. L'appartement de Madrid va être imposé à Madrid sur les taxes foncières, mais également sur le revenu locatif, etc. Et si vous revendez cet appartement, celui de Paris sera imposé à Paris, mais par contre, en matière de retraite, c'est imposé au Maroc, et c'est la convention fiscale de non-double taxation qui le dit, et ça va être imposé uniquement au Maroc. Donc voilà, c'est la convention qui le dit. D'accord, ok. Merci beaucoup. Bonsoir Leïla. Je t'ai vu Leïla. Ah, c'est ma grande amie. Voilà, c'est comme une sœur pour moi. Voilà, excuse-moi. Bon, alors Anne, j'ai une autre question pour toi. Je suis résident à Marrakech. J'ai touché des dividendes de la part d'une entreprise dont j'avais des parts. L'entreprise se trouve en France. Dans quelle catégorie dois-je déclarer ces dividendes? Alors, je ne sais pas pour M. El Yacoubi, parce qu'il me semble que j'ai vu passer dans la convention fiscale qu'ils sont imposés au Maroc. Alors, si ce monsieur se trompe et déclare ses dividendes en France, ils vont l'imposer. Mais ces dividendes sont imposés uniquement au Maroc, au taux de 15%, et c'est libératoire. Donc, voilà, c'est clair. Les dividendes sont imposés ici. Alors, il est possible, peut-être que la question derrière, je ne connais pas par cœur la déclaration de revenus française, il est possible qu'il y ait une case qui dise dividendes perçus au Maroc dans le cadre d'une convention fiscale. Parce que comme on a des milliers de cases dans notre déclaration fiscale, il est possible que cette case existe. Ça, c'est possible. Mais si cette personne a un doute, moi, je lui recommande, si elle a un compte impots.gouv.fr, de vraiment envoyer un mail en disant « La convention fiscale France-Maroc prévoit que ces dividendes soient déclarés et imposés au Maroc.
Dois-je le signaler et dans quel cas dans la déclaration française? Moi, ça serait ma recommandation. Moi, je rajoute juste un exemple très simple pour que ça soit clair. Supposons qu'un Français qui est résident au Maroc, il est à Rabat ou à Tanger, donc il est résident fiscal au Maroc. Il a touché des dividendes d'une société qui est à Paris, sa société ou la société de quelqu'un d'autre qui est à Paris. Sur ces dividendes, la taxation se fait au Maroc au taux de 15%. Supposons que cette même personne a une autre société qui est à Marseille. Mais sur cette société, il a vendu ses actions. Il a vendu les parts sociales ou les actions et puis il a gagné 10 000 euros ou 100 000 euros. Sur la plus-value, sur la cession de ses actions, il va payer 20% et c'est au Maroc, ce n'est pas en France. Donc, il doit faire la déclaration au Maroc et puis fournir à l'administration fiscale la déclaration et le paiement de l'impôt au Maroc. Et l'administration, le fisc français, il connaît la convention, donc, et c'est imposable uniquement d'un seul côté, non pas de... Voilà, probablement. Et voilà. C'est tout à fait ça. Je suppose peut-être qu'il y a, quand c'est dans le cadre d'une cession de parts sociales, il est possible qu'il y ait un formulaire qui soit rempli automatiquement et du coup que les services fiscaux reçoivent un document qui leur permette de, par défaut, saisir ce montant sans qu'ils aient bien compris que la personne était résidente au Maroc. Il peut y avoir des moments comme ça. Et donc, c'est à ce moment-là, la personne doit corriger et apporter la preuve, en effet, d'abord qu'elle réside au Maroc, tout simplement, pour corriger le tiers. Mais là aussi, comme au Maroc, comme le disait M. Yacoubi, en France aussi, les services fiscaux français sont extrêmement conciliants et bienveillants. Et quand il y a une erreur de calcul, de déclaration qui peut conduire à une erreur de calcul, c'est toujours corrigé derrière et remboursé le cas échéant s'il y a un trop perçu. Vraiment, les impôts français, on a vraiment intérêt à dialoguer avec eux parce qu'ils sont tout à fait bienveillants. Alors, j'ai une autre question qui m'a été posée, donc je vous l'adresse à tous les deux. Étant sur le point de recevoir le montant d'une assurance vie de ma mère décédée le 20 avril 2021 en France, étant résident au Maroc et payant les impôts sur ma retraite ici au Maroc, je voudrais savoir si je peux recevoir cette somme sur un compte joint au Maroc ou bien s'il me faut un compte en nom personnel en France. S'il faut que j'ouvre un compte bancaire en France à mon nom ou sur un compte de mon épouse avec sa procuration, si je dois payer mes impôts en France ou au Maroc, sachant que j'ai une déduction fiscale sur 30 000 euros, je n'y paierai donc que cet impôt sur une somme d'environ 3 000 euros. Quatrième point, c'est y a-t-il une possibilité pour que je touche dans cet héritage un petit studio qui se situe en France qui est actuellement loué à une personne qui me verserait les loyers sur la France. Que me conseillez-vous de faire? Je suis un peu perdue. Alors, pour moi, là, c'est le notaire qui est maître de tout en France. C'est le notaire qui va assurer la succession, qui est censé connaître parfaitement les conventions fiscales et la manière dont la succession va s'opérer. Donc là, précisément sur chacune des situations décrites, je ne peux pas répondre, mais le versement, par exemple, de l'assurance vie ou l'héritage du petit studio, tout ça se fait par l'intermédiaire du notaire. D'accord, ok, très bien, merci. Et puis, en termes de questions, je crois que je vous ai… une autre question. En attendant peut-être la question suivante, je tiens aussi à préciser qu'on a aussi une incitation fiscale qui est importante et qui concerne les divorcés. Les femmes, par exemple, qui bénéficient d'une pension alimentaire, qui sont résidentes fiscales au Maroc, paye zéro dirham, ne paye rien, c'est exonéré au Maroc. Les pensions alimentaires sont exonérées aussi bien pour les Marocains que pour les étrangers qui sont résidents chez nous. Ça peut être important pour beaucoup de femmes divorcées. Alors, dans le droit fiscal français, on a fait une modification l'année dernière qui est importante. Lorsque un conjoint, on va dire un Français, se retrouve à vivre au Maroc et qu'il doit verser une pension alimentaire à son ex-épouse restée en France et que lui, par ailleurs, il se trouve avoir des revenus en France, peut-être
un petit studio ou je ne sais pas quoi, un loyer, quelque chose comme ça. Désormais, la pension qu'il verse à son ex-épouse, il peut la déduire de ses revenus touchés en France, ce qu'il ne pouvait pas faire auparavant. Maintenant, il le peut parce que voilà, c'était du coup un revenu qui était injustement taxé deux fois. Une fois au moment quand c'était notamment, on a beaucoup de retraités qui touchent leur pension de retraite en France, qui par le biais des conventions fiscales ne sont pas, alors ça ne marcherait pas avec le Maroc, mais dans d'autres pays auraient leur retraite taxée en France, et donc ils étaient taxés sur toute leur retraite, ils versaient une pension alimentaire, et la pension alimentaire était encore imposée par son ex-épouse qui la recevait. Donc ça, c'est terminé, il n'y a plus de double imposition de la pension alimentaire dès lors qu'elle est perçue en France par l'ex-conjoint et qu'elle est versée par un Français qui se trouve vivre à l'étranger. Alors, une autre question, et je l'adresse à vous deux. Je suis Français et résident au Maroc. Je vis à Marrakech. Mon foyer fiscal est à Marrakech en 2020 et je me suis mariée début 2020. J'ai essayé de me connecter sur impots.gouv.fr pour déclarer tout cela, mais quand je déclarais ma situation familiale, il me demande un numéro. Quand je déclare ma situation familiale, il me demande un numéro fiscal pour ma femme, alors qu'elle est marocaine. De plus, je suis propriétaire d'un riad hôtel, restaurant, spa et salarié au Maroc. Je paye mes impôts à la source au Maroc sur mon salaire. J'ai également des revenus fonciers en France. Je paye mes impôts sur mes revenus fonciers en France. J'ai également à ce jour une résidence fiscale en France. Je pense que maintenant mon foyer fiscal est au Maroc, ou peut-être serais-je considéré résident fiscal au Maroc et en France. Y a-t-il des documents spéciaux à remplir autres que le document 2042? Alors, dans ce que je comprends que ce monsieur était encore résident fiscal français avant de se marier. C'est ce que je comprends. Il vient de s'installer au Maroc. Il s'est installé en 2020 au Maroc. Il devient résident fiscal marocain. Voilà, il y a un changement. Il devient résident fiscal marocain et il se marie. Il fait tout la même année. Alors, à ma connaissance, il doit signaler à son centre des impôts français, dont le dernier dont il dépendait, qu'il a d'abord déménagé sur le Maroc, que sa résidence fiscale est au Maroc, c'est la première étape. Et ensuite, sa situation de mariage, pour moi, c'est une case à cocher sur un formulaire. Je ne savais pas qu'il fallait donner le numéro fiscal du conjoint. Mais peut-être parce que le fisc français fait l'hypothèse qu'il se marie avec un résident fiscal français, c'est peut-être pour ça. Alors là aussi, je lui recommande de prendre sa session impôt.gouv.fr et d'envoyer un email pour expliquer « j'ai déménagé au Maroc, j'ai maintenant ma résidence fiscale là-bas et par ailleurs, en date du temps, je me suis mariée avec une Marocaine ». Enfin, j'ai dit une Marocaine, je crois que c'est ça. Voilà, pour qu'il puisse expliquer. Et là, le fisc lui expliquera comment il doit signaler, de quelle manière il doit signaler ces différents changements de situation. Et après, automatiquement, le centre des impôts dont il dépend, là où il habite, là où il habitait en France, transférera son dossier fiscal automatiquement au centre des impôts des non-résidents de Noisy-le-Grand. Ce que je rajoute comme conseil aussi à cette personne qui souhaite s'établir au Maroc en tant que résident fiscal, il doit d'abord contacter le bureau des étrangers au niveau de la préfecture de police pour demander sa carte de résidence. Mais quand bien même il a sa carte de résidence, c'est une résidence territoriale seulement. Il ne sera considéré comme résident fiscal qu'après avoir déposé sa première déclaration fiscale au Maroc et il va avoir un identifiant fiscal à ce moment-là. Et sachez que maintenant, tout est digitalisé. Dès qu'un résident français déclare ses impôts au Maroc, dès qu'il effectue sa déclaration fiscale, juste après, il peut télécharger une attestation de résidence fiscale. C'est une attestation délivrée par l'administration fiscale. Et cette personne, justement, il doit, à mon avis, à travers peut-être un deuxième courrier, fournir à l'administration française l'attestation de résidence fiscale, aussi bien qu'il concerne que son épouse. Donc, comme ça, il leur donne la preuve qu'en quoi il est bien établi ici, avec aussi une copie de sa carte de séjour. Donc, voilà. Alors, les services fiscaux français sont très, très souples là-dessus. À partir du moment où on décide de partir s'établir quelque part, qu'on quitte le territoire français, même avant
d'être enregistrés comme résidents fiscaux quelque part. À partir du moment où on leur signale qu'on quitte le territoire, ils font tout à fait confiance et ils nous basculent en non-résidents. Ils sont très, très confiants par rapport à ça. Et autre chose importante, si quelqu'un vient s'établir au Maroc, ou plutôt y est établi depuis un moment, et puis n'a jamais été résident fiscal français, il peut y avoir des Français hein, qui ont fait une bonne partie de leur carrière au Maroc, si un jour ils se retrouvent à avoir besoin de déclarer des revenus en France, désormais, on peut directement se créer une cession impots.gouv.fr personnelle à son nom sans, pour pouvoir faire sa première déclaration fiscale en France. On n'a plus besoin, autrefois, il fallait commencer par faire une déclaration papier et attendre un an d'avoir reçu l'avis d'imposition pour avoir le droit d'obtenir ce numéro fiscal dont vous parliez tout à l'heure pour le Maroc. Donc, côté français maintenant, on peut avoir très vite son numéro fiscal, on peut très vite être considéré non-résident dès qu'on quitte le territoire français, sans aucune preuve à apporter. Et ensuite, on peut demander à s'inscrire sur les impôts français avec un numéro fiscal dès lors qu'on a des revenus en France qu'on a besoin de déclarer. Ça se fait maintenant automatiquement en ligne. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. J'ai une question de la part de Si Mohamed. Alors, bonjour, merci d'abord pour ce webinaire. En plus des déclarations fiscales, y a-t-il une déclaration à l'Office d'échange des Français résidant au Maroc ? Autre question, quelle est la durée de la prescription fiscale pour les non-déclarants ? Donc, déjà, un premier conseil que je donne à tous les Français qui s'installent ici au Maroc, si vous investissez au Maroc, essayez d'avoir une traçabilité, je dirais, bancaire par rapport aux apports que vous effectuez ici. Et si jamais vous arrivez à l'aéroport avec de l'argent en espèces, il faut déclarer les billets que vous avez. Il n'y a aucun problème, vous les déclarez tout simplement. Et ensuite, vous avez un papier qui vous permet de déposer les espèces dans un compte bancaire marocain. Par exemple, vous achetez un appartement, vous achetez un terrain. Supposons que vous avez acheté cet appartement ou ce terrain à 100 dirhams. C'est un exemple. Donc, il faut avoir cette traçabilité du virement qui est effectué, soit sur le compte du notaire ou sur votre compte bancaire et qui a servi à l'acquisition de ce terrain. Et dès que vous avez réalisé l'investissement en question, vous demandez soit à votre notaire ou à votre cabinet comptable d'effectuer ce qu'on appelle le compte rendu d'investissement à l'office d'échange. Ce compte rendu d'investissement, une fois qu'il est déposé à Rabat, la procédure est dématérialisée maintenant, il peut même être effectué en ligne, vous bénéficiez de ce qu'on appelle la garantie de retransfert. Ça veut dire que dès que, par exemple, vous voulez procéder au désinvestissement, c'est-à-dire le contraire, c'est-à-dire que vous avez décidé de vendre le terrain ou l'appartement, donc on vous garantit le transfert à l'étranger de l'investissement initial et des plus-values qui peuvent en découler, sans limitation de montant et sans limitation dans la durée du temps. Vous pouvez acheter un appartement au mois de janvier, le revendre au mois de février et gagner le triple, et vous avez la possibilité de tout transférer à l'étranger à la condition d'avoir déclaré l'investissement initial avec une traçabilité. Vous pouvez le faire même en retard, c'est toléré. Donc, il n'y a pas de respect de... Mais sachez que quand vous réalisez un investissement, voire même quand vous créez une société, parce que quand vous créez une société, c'est de l'investissement aussi. Ça veut dire que vous avez apporté au capital de la société, par exemple, 100 000 dirhams. Vous avez avancé en compte courant d'associés 200 000 dirhams. Faites un compte rendu à l'office d'échange et l'office d'échange enregistre votre investissement dans cette société qui vous appartient. Et c'est ce qui va vous garantir aussi le transfert des dividendes et le remboursement du compte courant d'associés que vous avez. Et c'est des règles à respecter. Et sachez que tous les Français qui ont des complications par rapport au transfert du produit de leur investissement, de leur cession, de leur liquidation de société, c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas fait les choses dans les règles de l'art. Donc, il faudrait... encore une fois, faire ces comptes rendus d'investissement à l'office d'échange. Et je remercie le participant qui a soulevé cette question qui est très importante.
Merci, merci beaucoup. Il est déjà plus de 20 heures. On a dépassé l'heure et je sais que Anne est très occupée et je remercie pour le temps qu'elle a pris. Je sais que Monsieur Ali a compris aussi. Je propose qu'on récidive. On peut le faire dans 3 mois. On peut le faire. Alors, je vais en profiter pour d'abord remercier Monsieur Ali Yacoubi, remercier Anne Jeunté parce que. Elle est comme un mentor pour moi en politique. Elle me donne la force et le courage de faire. Et si j'ai l'impression d'arriver à soulever les montagnes, c'est parce qu'elle est derrière et elle m'encourage. Et ça, je la remercierai jamais assez, quel que soit le résultat des élections des conseillers des Français de l'étranger. Voilà. Ça, je tenais à le dire en direct. Comme ça, c'est fait parce que c'est sincère, vraiment. Et je tenais à remercier Monsieur El Yacoubi pour sa disponibilité, pour la qualité de ses interventions. C'est pour moi l'expert en matière de fiscalité la convention fiscale franco-marocaine. C'est véritablement un expert en la matière et je suis heureuse qu'il soit avec la communauté française du Maroc en tout cas. Voilà, et ça, c'est des choses qui sont pour nous résidents français à l'étranger, ce sont des appuis extrêmement importants parce que quand moi je suis arrivée à Marrakech en 2008, quand je suis venue m'installer, j'ai eu la chance de pouvoir trouver des gens sur qui je pouvais m'appuyer et comprendre le fonctionnement, entre autres, de l'administration marocaine parce que c'est pas si évident que ça quand on est. On est étranger, hein, même si on adore, et comme moi, le Maroc, et que, comme je l'ai dit, c'est ma deuxième patrie. Voilà, je suis marocaine de cœur. Mais c'est vrai qu'on a besoin de personnes comme M. El Yacoubi à nos côtés pour pouvoir nous aider, nous éclairer, tout comme on a besoin de personnes comme Anne Jeunté pour son expertise en matière notamment de fiscalité pour les Français de l'étranger. Voilà, je vais laisser à la fois le mot de la fin à Anne Jeunté et à M. El Yacoubi avant de vous souhaiter une excellente soirée. Alors, merci beaucoup Sophie, je suis très touchée par tes mots. Je vais ajouter plusieurs petites choses. Bon, il y a le si Mohamed qui posait une question, il voulait la réponse à sa deuxième question sur la durée de la prescription fiscale pour les non-déclarants. Alors moi, je sais pas du tout dire, je crois en France, ça dépend de... je crois des types de revenus, je ne suis pas calée là-dessus, je ne peux pas être très précise pour dire s'il y a vraiment une prescription. Moi, j'avoue que je n'ai jamais eu besoin d'user de ce type d'outils, donc je ne suis pas compétente pour répondre à ça. Vous dire aussi qu'une convention fiscale, comme elle a été exposée tout à l'heure entre la France et le Maroc, on appelle ça convention par convention de langage, en réalité, c'est un traité. C'est un traité entre deux pays et ça prend des années à négocier. C'est pour ça que certaines... Je crois que là, vous avez donné la date tout à l'heure, semble extrêmement ancienne, parce qu'on s'apprend des années. Et si une modification devait être faite à cette convention, sachez que ça peut prendre des années avant qu'on parvienne à ça. Ce sont de longues discussions. Et au bout du compte, côté français, ça doit être approuvé et voté au Parlement. Donc, les parlementaires ont un droit de regard là-dessus. C'est aussi pour ça que je me suis intéressée à la fiscalité. La France, elle aussi, comme le Maroc, a signé un nombre considérable de conventions fiscales bilatérales avec plein de pays. Moi, je voulais apporter cette précision parce qu'elle me semblait quand même assez importante. Et te remercier encore, Sophie, et vous dire à tous que je suis vraiment à votre disposition si vous aviez des questions sur la fiscalité côté français. Je ne suis pas une fiscaliste. Alors, notamment, je n'ai pas de compétences, je le dis tout de suite, sur la fiscalité des entreprises. Alors ça, je le dis tout de suite, ça, ce n'est pas du tout mon domaine. Je ne me suis intéressée qu'à la fiscalité du particulier qui est déjà suffisamment compliquée en France. Enfin, moi, je trouve qu'elle est compliquée. Mais Sophie, en tout cas, bravo pour cette réunion. Je la trouve très pertinente et je me dis que de la même façon, nous avons d'autres pays avec lesquels nous avons des conventions fiscales qui entrent en ligne de compte. Et je trouve que ce binôme avec un expert de la convention fiscale est formidable et je proposerais que ce soit décliné dans d'autres pays. Vraiment, très, très bonne idée. Bravo. Merci. Merci Madame la députée Anne Jeunté, merci Sophie pour cette invitation, ça m'a fait plaisir de participer à cet échange. Par rapport à la dernière question côté marocain, quand il s'agit d'un résident étranger au Maroc qui opère sans déclarer ses revenus, il y en a qui ne déclarent pas leurs revenus ni au Maroc ni dans leur pays d'origine. Sachez que le fisc peut revenir en arrière soit 4 ans, soit 10 ans. Si la personne opère dans l'informel à travers une activité professionnelle au noir,
Donc, l'administration fiscale marocaine peut revenir 10 ans, c'est la durée de prescription dans ce cas-là. Dans le cas classique d'une entreprise qui dépose ses déclarations, et qui est contrôlée ou qui est retardataire, etc. Donc là, la durée de prescription est de seulement 4 années. Un dernier conseil, si vous choisissez de vous implanter au Maroc, tant mieux. Tant mieux, c'est un beau pays qui offre une qualité de vie extraordinaire, une population accueillante, il fait souvent très beau. Vous pouvez aussi réaliser de bonnes affaires. Il y a des gens qui ont fait des profits qui sont importants et tant mieux pour eux. Ça nous permet, nous, en tant que pays, en tant que Maroc, de drainer des investissements chez nous. Et ça permet aussi à ceux qui investissent de générer des revenus et de profits. Et voilà, donc, et c'est bien pour toutes les parties. Le conseil que je vous donne, c'est que si vous choisissez de vous implanter ici, je pense que c'est le cas aussi dans d'autres pays, choisissez un bon notaire, une bonne agence immobilière, un bon architecte. Un bon fiscaliste. Un bon fiscaliste, ça c'est important. Un bon avocat aussi, ça aussi. Un bon avocat, bien. Vous n'allez pas commencer avec un avocat quand même. Les bonnes personnes. Non, mais un bon avocat peut te conseiller un bon notaire, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai mon avocat depuis 13 ans. J'ai eu de la chance de l'avoir, qui m'a été présenté. Grâce à lui, j'ai eu un excellent notaire. Et voilà. Donc c'est... Alors, pour faire plaisir à et je te recommande, Sophie, de peut-être de dupliquer un petit peu cette rencontre, peut-être l'organiser sur une thématique plus pointue, soit l'immobilier, soit le... Voilà. Je pense qu'il y a une thématique qui intéresse beaucoup les Français à l'étranger. Ça a été évoqué tout à l'heure, c'est la notion des successions. Oui, la succession. C'est très compliqué. On est vraiment perdu. Puis évidemment, la succession, quand elle se pose, c'est qu'on est triste. Hein. Donc, on n'est pas très réceptif à tout ce qu'on nous raconte. Tout à fait. Et aussi bien s'en occuper tant qu'il n'y a pas de drame dans notre famille. Oui, entièrement d'accord. Monsieur El Yacoubi, promis, on réitérera l'exercice. Pourquoi ? Parce que ce sont, comme je l'ai dit en introduction de ce webinaire, la fiscalité est un thème extrêmement important pour les Français de l'étranger. Et il faut pouvoir échanger avec des spécialistes. Parce que sinon, on peut entendre tout et son contraire, et on va perdre plus les gens qu'on ne va les aider. Et moi, c'est extrêmement important de pouvoir aider la communauté française de la 4e circonscription du Maroc, parce que pour moi, c'est ça le rôle d'un conseiller des Français de l'étranger. Et pour faire plaisir à Rachid, je vais terminer en disant un mot en darija, parce qu'il me l'a dit. Je vais dire « ma salama ». Pour remercier aussi Hassan Flynn, le directeur général de la grande école de commerce, l'école de management de Marrakech, pour l'accueil, pour l'hospitalité, oui. Pour la logistique. Encore une fois, bravo et merci beaucoup, Hassan. Merci infiniment. Merci Anne, merci à tout le monde d'avoir été avec nous ce soir et à très bientôt. Au revoir.